C'est la magie de Noël. Fallait bien que j'en mette mon costume de Noël. J'ai la chance de l'avoir. La chance d'avoir le costume de Noilu. La 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 la. Ça y est, je suis déjà perdu dans l'interface. Ah non, mais non, pas Final Fantasy. Merde, j'ai cliqué là où il fallait pas. Non, attendez. Oh là 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 là. J'ai tout faux. C'est pas Final Fantasy que je veux mettre, c'est Resident Evil. Ceci est une erreur. Peut-être qu'on en fera un peu du Final Fantasy de tout à l'heure. C'est pas exclu. Mais je vais démarrer sur de l'horreur. Je voulais faire quoi? Je voulais faire quelque chose. Je ne sais plus. Mon cerveau est en train de fondre déjà. Je sais plus. Poilo, yes, Whippledo. Bonjour le coyote, j'espère que tu vas bien. Tableau mystère, on le retrouve au 1er janvier, je le fais pas aujourd'hui. On le retrouvera au 1er janvier quand je ferai le bilan. Attendez, je fais moult bêtises, mais c'est effarant. Ça fait peur. Attendez. Oh là 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 là. Je me plante. Non, c'est pas ça que je veux, c'est pas le bon jeu. Je voulais faire du Resident Evil. Mais peut-être, je dis bien peut-être que je ferai du Final Fantasy tout à l'heure. Ouais, mais les tableaux mystères, ça reviendra au 1er janvier. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait de Final Fantasy, justement. J'avais dit que je cassais un peu mon habitude aux fêtes de fin d'année. C'était délibéré. Non, j'ai fait du Stardew Valley et du Spelunky ce matin. Ah oui, beau geste. Réabonnement. Merci, feu de fan. Oh là là, t'es généreux. She's the well. Ouais, hein. On pourrait croire que je me les gèle et pourtant je vais bien. Non mais en fait je risque de crever de chaud en fait. Je risque d'avoir un problème de riche si je puis dire. C'est-à-dire là où des malheureux n'arrivent pas à chauffer. Et c'est une triste réalité. Et j'ai un câble qui est coincé, il devrait pas te coincer, c'est mon câble audio. Mais pour faire le mariol d'être dans l'ambiance de Noël. Et je risque de crever de chaud. Mais bon. Mais limite, si je crève de chaud, je retire le pull et je garde le truc de... Pardon. Chavour une friandise en fin de repas. Alors, je sais plus ce que j'ai fait. Ouais, le mis au goût du jour, il est redoutable. Il est redoutable, mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est d'ailleurs ce qui me motive et qui contrecarre ma frustration de la difficulté, c'est qu'il est beau! Regardez, Jill Valentine, c'est limite si on lui devine pas des grains de beauté, là, toute mimi comme elle est. Attends, faut que j'aille vérifier un truc, moi. Clé de l'épée. Ah oui, clé de l'épée, j'avais pas fini. Clé de l'épée, il faudra que je m'en débarrasse. Et joyau bleu, ouais, à un moment j'ai un truc à mettre dans le petit groupe. Je gagnerai des balles de fusil. Ce qui peut être pas mal.
Ouais, j'ai affaire, j'ai affaire. Là, elle recharge. C'est ça, c'est parti pour mourir, ouais. Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. Ouais, c'est ça. Ouais, le titre du direct, le Père Noël est une ordure en enfer. Ouais. Alors, hé, tu crois pas si bien dire, mais justement, encore, hommage peu, mon papa. Quand je me déguisais comme ça, que je distribuais les cadeaux à Noël, il pensait que j'incarnais Gérard Jugnot. Il me voyait à chaque fois, au lieu de sortir un cadeau du sapin, il me voyait que je me retourne avec un flingue et que je rejoue la scène. Tous les ans, c'était comme ça. Il était mort de rire. Il adorait me voir comme ça. Mais oui, c'est la magie de Noël. On les entend gémir. Attends, je sais plus. J'ai du pétrole dans le. Je peux flamber des zombies, quelle horreur. Vous avez utilisé la clé armure. Dur. La clé de la muerte. Ça, c'est à moi. La batterie au lithium. Alors, il y a le cadeau du tigrou. Le cadeau du tigrou est une formidable boîte de balles de fusil à pompe. Je l'avais essayé une fois à ma précédente session de jeu. C'est scandalouche. Rotation du tigrou. Et un cadeau pour vous. Ah ah, le tigrou se referme. On se croirait dans Fort Boyard là. L'énigme. Oh, le coyote qui a posé une bombinette. Ha ha, perdu Christella. Trop drôle. A coupé le mauvais fil de la bombinette. Trop tard, Funfan. On en reposer une. Tiens, d'ailleurs, je vous la repose, moi. Bougez pas. Bougez pas que je vous la repose. Oh non! Ça y est, je me souviens. Oh là 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 là. Bon, lui, il va rester inoffensif. Hop là. Oui, le zombie. Le zombie, la moitié. J'ai même pas le temps de dire le doc qui est là. Allez. Défends-toi! Ah, j'ai toujours pas regardé la touche là pour le truc de 7 contrôle machin. Salopard. Il a pas eu son compte. Main en l'air! Gros vilain. Va mourir! Ah bah. Eh bah je fais des économies de. Allez. Aïe, ouais, bah oui, elle est dans le mal la pauvre. Oh là 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 là. Je joue mal. Je joue mille. Bon le rapport on l'a déjà lu, hein. Regardez l'épisode précédent, hein. Je suis désolé. Je vais pas relire 50 fois les mêmes documents. Vive Julia Vault. Mais j'ai toujours pas regardé des photos d'elle en plus. Voir à quoi elle ressemblait au naturel. Et tu me disais qu'elle a des yeux irrésistibles. Elle a des yeux hypnotiques d'un bleu profond. Je sais pas. Cette étagère est pleine d'alcool fort. Oh, pour Noël. Ah là là. Cette ombre portée. Alors on dirait presque le mannequin au cédar. Il bouge pas, on dirait le mannequin au cédar pour la pub pour le ménage qui fait main en l'air. Ah, mon Dieu. Ah,
Ah, le râteau, c'est la pièce où il y a la foutue plante de mes deux. Que je voulais quick. Que je voulais quick, mais le désherbant est dans le. Et du côté des clébards qui m'avaient tué. Souvenir douloureux! Oui, quand j'aurai zigouillé la plante, il y a lui qui va réussir à péter la fenêtre. C'est obligatoirement scripté. C'est obligé. Il ne peut en être autrement. Poil aux dents. Il y a quoi là? Je sais plus. Ah bah non, c'est la chambre où je viens de faire les zombies de mes deux. Vous avez déverrouillé la porte. Eh ben j'en suis ravi. Gare, attention. Survie! Je dois. Oh lui. Mais va mourir, toi! Ah, très bien. Au moins, j'utilise beaucoup de balles, mais lui, au moins, il me coûtera pas en gazo, truc. Très très bien. Oh mon Dieu. C'était sale. Ta-di-ta-da, in the morning. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je me souviens d'une partie à l'époque où j'avais découvert le tout premier. Et j'y jouais avec mon beau-frère à l'époque sur la première PlayStation. Et il foutait toutes ses affaires. Je sais pas comment il gérait parce que non, je crois qu'on pouvait déposer que dans les coffres. Mais j'ai souvenir qu'il déposait toutes les affaires dans le hall du manoir. C'était un bordel. Tu pouvais faire du football avec les objets symboliquement dans le manoir. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Ce serait peut-être bien que je repasse par un coffre, moi. Attends, c'est quoi ça? C'est verrouillé. L'emblème d'un casque. Ah oui, merde, c'est pas le bon truc. Ah, puis il y a le coup du corridor des clébards à prendre que dans le sens que je vais prendre et pas dans l'autre, sinon ça les déclenche. Merci le coyote. Ou le baron, je sais plus, je m'en souviens. Aïe 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 aïe. L'erreur à pas commettre. Ça m'a traumatisé, on peut le dire. On peut le dire, on peut le... C'est là qu'il y a les plantes, le truc pour la plante. Ah oui, mais j'ai plus de place, je suis débile moi. Je risque de m'exposer à me faire buter par un clébard et j'ai pas le... Attendez. Ouais, j'ai plus de place. Je joue mal. Je joue mal. Il faudra presque que je me présente avec le fusil. Pour neutraliser les klebs. Ah, je pense que t'as accepté trop tard, FunFan. Du coup, Wisebot a été frappé d'amnésie. Il se souvient plus que t'as été mis en duel par le coyote. Je crois que c'est dans la minute qu'il faut agir, sinon il lâche l'affaire. Ce qu'on appelle un déchargement automatique de mémoire en informatique. Oh le salopard! Oh quelle horreur! Ah bah il m'a eu! Oh la vache! C'était. Ouh! Ah non, non, il faut se débarrasser de ces cochonneries là! Waouh! Merde alors! Oh, redoutable! Je m'attendais pas à Quick aussi vite. Mmh.
Du coup, je vais peut-être m'arranger pour avoir le fusil sur moi. J'ai deux photos de Julia, classique, pas d'unité ou je sais pas quoi. Oui, de visage. Oui, je. je me contenterai, voilà, du visage, vu comme ça. Oh mon pauvre, je crois qu'on t'en met tellement plein la tronche que tu te braques automatiquement. C'est fou quand même. Oh là 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 là. Je réfléchis, stratégie, stratégie, stratégie pour stratégie. Est-ce que je fais un passage particulier avec le fusil? Attendez. J'ai ma petite idée. Ah, en uniforme de star. Ah, sympa, merci. Je regarderai ça ce soir avec grand plaisir. J'y vais à poil, tout va bien, j'ai oublié de prendre le fusil. C'est pas du suicide mon truc, mais bon. Alors oui, effectivement, elle court plus vite. Quand elle a pas des armes qui pèsent dans l'inventaire, oui, elle court plus vite. Mais alors, l'intérêt... Oh, je sais plus jouer, c'est une horreur. Le fusil est... Alors là, je l'ai dans l'inventaire, mais je l'ai pas armé, donc je peux courir très vite. Enfin, je me déplace. Ouh. Et je vais essayer de me faire le clébard et la tête cramoisie là au fusil à pompe. Donc, tac. Je vais aller chercher mes balles au niveau du tigrou. Là, c'est le début tout gentillet. C'est après que ça va se muscler. Je vais pas aller dans la chambre où il y a les deux zombies. J'irai plus tard. C'est un beau tigrou. Je l'avoue. C'est un beau tigrou. Ça se referme. Papa, 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 pipa, pili, pipi, pou. Équiper le fusil à pépon. Bon, elle court même assez vite d'ailleurs avec le fusil en main. Voilà, un petit peu ralenti. Ah, je m'occupe même pas du... Je reviendrai me le faire au flingue. C'est vrai que c'est dommage, j'aurais utilisé beaucoup de balles, mais le fait de lui éclater la tête sans avoir à faire usage du briquet était plutôt confortable. Oh!
Mais ça fait une éternité que j'ai pas vu Blip Holland. Bonjour et bienvenue, merci, c'est adorable. Comment que ça va? Mon dieu! Oh là là! Oh oui, c'est vraiment gentil de repenser à moi, ça fait vraiment un paquet de mois qu'on s'est pas vu. Comment que ça va, Blip Holland? D'ailleurs, je finis par me poser la question. T'as réduit ta fréquence de diffusion ou c'est mon Twitch qui a bugué? Ce que je suis en train de me dire, c'est que j'étais vraiment rarement vu en ligne, sans offense. Enfin, en ligne. En train d'émettre, je veux dire. Message de FunFan, 1992. Bonjour et bienvenue à la communauté de Blip Holland. Oh, merci tout plein. Attendez, je vais me battre avec les chiens, ça va être violent. Violence. La violence de Noël. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Attends, j'ai l'alerte, moi aussi, en plein écran, alors je vois plus ce que je fais. T'es un chef, FunFan, merci, ouais. Ah oui, Blip Holland, ah oui. Ouais, 11 spectateurs. Merci. Alors, le vilain clébard. Ah, mais il y a une échelle. Bah, c'est moi aussi une échelle. Eh, pas mal. Je crois que je l'ai eu. C'est cool. Il était coriace, il lui a fallu 2 balles. Ouh. Mais ce qui me rend fou, c'est d'avoir le cri du singe quand on tue un chien. Bonjour JJB, j'espère que tu vas bien. Merci à vous d'être là. Voyez, je me fais un réveillon frisson. J'ai choisi Resident Evil, j'ai envie de le poursuivre. Et puis comme je suis à peu près en forme, autant en profiter. Bizarre cette échelle. Une charrette rouillée. Elle est recouverte de lierre et il y a peu de chances qu'elle puisse rouler. Oh oh. Bonjour Blip Holland, merci. Très gentil à toi d'avoir fait un relais de chaîne. Oh, j'espère que toi et ta commune, vous allez bien. Merci tout plein. Taratati, taratatou. Je me promène dans ce manoir de fou. Chibidibi, dibidibi. Ah, bah oui, de faire endormir le petit. Ah, c'est Mimi. Encore merci. Eh oui, la magie de Noël. Ah, j'en connais un qui va goûter à la magie du coup de fusil. Ça lui passera des envies. Il va venir. Je sais. Oh la vache. Et encore, j'ai l'impression qu'il va se relever. Ah, il pourra plus. Ouf, terminé. Bon, bah, c'est des balles de fusil bien utilisées. Ah oui, il y avait le message de Barry. J'ai laissé des munitions dans la pièce de droite. Utilisez-les en cas de coup dur. Signé Barry. Merci, Barry Burton. Non, il faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton 10 fois. Sinon, je vais lire 10 fois le même message. C'est pas le but du jeu. Il n'y avait pas une farce comme ça de la part des développeurs. On cliquait 100 fois sur le même message et à la fin il changeait. Il y avait, je sais plus, une grosse vanne qui sortait ou un truc comme ça. Surtout qu'en informatique, c'est pas difficile à programmer ce genre de truc. Alors, il y a une lanterne sur les caisses. Sa lumière chaude vous détend. Ah ouais. Je ne peux le nier. Alors,
On va ranger le fusil. Je vais reprendre le flingue. Je sais plus où je me débarrasse une dernière fois de la clé épée. J'avais réussi par accident la dernière fois. Je ne sais pas la partie du bas. Au niveau de la cuisine. Je crois que c'est la cuisine. Je fais ça et je reviens sauvegarder. Parce qu'au moins ça justifierait d'une sauvegarde. Ah, puis si je pouvais faire aussi les deux zombies dans la chambre. Ça se tient. C'est jouable. Est-ce que j'avais fait les masques avec la chambre des chevaliers là et du gaz de mort? J'avais réussi ou pas? Ah non, je l'avais pas fait. Il n'y a rien. Ah si, je l'avais fait. Si, je l'avais fait. Bon bah c'est bien. C'est bien. Oh, je réfléchis. Ouais, faut que je repasse en bas. Pa-pa-pa-la-pa-pa-la-pa. C'est la salle du dîner. Ah ah, vilain zombie, je sais que tu es là. Mais non, mais... Mais c'est n'importe... Ce jeu, c'est n'importe quoi. Bon, déjà, je vais combiner les balles parce qu'il va me... Hein? Merci. Voilà. Donc, je n'ai plus rien pour les briquets, c'est pas cool. Il faudrait que je puisse recharger le briquet. Dans quel endroit j'avais un truc à recharge de briquet? Ah! Parce que j'ai deux zombies à gérer dans la cuisine, moi. C'était là. Merde, non, pas là. Là. Oui. Oui, merci. Ce qui fait que je peux repartir. Je vais faire le... Voilà, je peux même faire la chambre, d'ailleurs, en plus de la cuisine. C'est horrible, mais j'ai pas mal de possibilités avant de sauvegarder. Alors là, c'est des zombies classiques. Donc si je fais pas le nigo, je gère. Si je fais pas le nigo,
Espoir. Voilà, j'ai déclenché. Là, attends, je vais du côté opposé. Ah, il est tombé. Mais il se relève. Merde. Alors, combiné. Ah, je l'aurais eu à la tête. Je crois que je l'ai eu à la tête. Le bruit que j'ai entendu est significatif. Bon là, j'en ai le gardien, blablabla, il devient un zombie. Donc, le problème c'est qu'il y a encore trop de zombies. Il va falloir que je re-remplisse encore la gourde de kérosène. Mais là, je gère bien. Pourvu que ça dure. Voilà. C'est ça, petit papa le sage. Aïe aïe aïe. Vous avez utilisé la clé épée. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter. Alors là, il devrait même pas faire cette proposition. Il devrait juste dire une affirmation. Elle a été jetée. Et voilà. C'est. On va pas me dire qu'il y a un trophée caché. J'ai gardé comme un ego toutes les clés jusqu'à la fin. La cuisine de l'horreur. Yeah. Et des balles, on veut tu dire. Oh là, il y a du monde là, normalement. Coucou. Oh oui. Ouh là là. Ouh là là. Non. Sérieux, ils ont fait un trophée pour les clés. Oh, c'est débile. Enfin bref, c'est débile. C'est pas moi de juger. Bon, c'est une fantaisie de développeur. Mais bon, bref. Mes asticots grouillent dans les plats. Un morceau de viande d'origine inconnue. Oh. Un morceau de viande d'origine inconnue. Ah! Ah oui, poignard de... que je ne sais pas m'en servir d'ailleurs. Des épices que vous ne connaissez pas. Aussi, ils veulent faire le vin de Noël. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Oh mon dieu! Non! Un zombie! Ah! It's a monster!
Merde, j'ai même pas le temps de me retourner de me barrer. Oh, ils sont chiants, ces zombies. Ils sont chiants. Oh, puis l'autre il se relève. Non, merci de tirer sur l'acide, Nunuche. Oh là là. Un mal se terminer. Il me fait perdre beaucoup de balles pour pas grand chose, lui. Eh ben, dis donc. Merci. Oh! Ah ouais. L'alimentation a l'air d'être coupée. Ouais. Bah, au moins je pourrais circuler librement en cuisine les prochaines fois. J'ai bien immolé les zombards. Bah, le problème du briquet, c'est qu'il faut trouver pour le recharger des bidons de kérosène. Et les kérosènes, ils ont, je crois, 4 charges chacune. Donc, j'ose espérer qu'il y ait suffisamment de bidons de kérosène répartis au nombre de zombies. Sans quoi, ça veut dire que tu es obligé soit d'en esquiver certains, ou de les tuer différemment, en leur éclatant le crâne, ou que ce soit au pied ou au flingue. Donc, dur. Dur, dur, dur. La salle la plus proche de sauvegarde, elle est là, je crois. Ah oui, j'ai le truc de la plante. Ouais, oh. Tu me diras, c'est qu'un zombie si je zigouille la plante. J'ai le culot d'y aller alors que j'ai toujours pas sauvegardé. Je suis fou. Je suis prêt à tout perdre. Il y a un trophée pour une des clés. Ah, pour une des clés, pas toutes. Oh bah, la vache. Alors, le couvercle de cette pompe à eau est ouvert. Pomper l'eau. Non. Non, mais est-ce que je peux mettre le fichu engrais dedans pour la faire crever, la vilaine? Ah ouais, la vilaine bait. Elle est en pleine forme là ou elle est en train de gémir? Elle devient menaçante. Pomper l'eau, ouais, vas-y voir. Sur quelle couleur? Rouge, vert ou aucune? Vert? Je sais pas. Ah, je fais crever les bonnes plantes. Ah, j'ai fait crever les bonnes plantes, c'est dégueulasse. Elle est bonne. Ouais, arrêtez de pomper. Pomper l'eau, ouais. Rouge. Ah, j'ai perdu les plantes, les salauds. Ouais, bah au moins j'aurais fait toutes les bourdes. Ça permet de voir tout le truc. Ah, mais faut avoir le coup d'œil entre où va le tuyau vert et où va le tuyau rouge. Tu les vois partir, mais tu sais pas où ils aboutissent. On dirait que le pompage les a fait flétrir. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh la vache, la cochonnerie. Ouais, c'est un masque de mort, tu m'étonnes. Ouais, masque mortuaire.
Ah, c'est dommage, j'ai perdu l'occasion de me soigner. Dommage, dommage. Ah, le v'là. Ah, live là, merde. Ouais, je les gérerai plus tard. Hein. Le briquet, il est à quoi? Il est à zéro? Il est... Ah oui, il est vide. Ah bah oui, j'ai tout utilisé en cuisine. Bon, attends, je vais prendre une recharge dans le... Hop, normalement, après ça, le bidon, il est vide. Il reste la moitié, ouais. Ah ouais, j'ai pu faire... Ah, il y a plus que 4 charges, visiblement, dans les bidons de kérosène. C'est pas clair. Il y en a peut-être 6, je sais pas. Oui, il est mort depuis quelques heures. Ouais. Alors, ah oui, j'ai pas mis le masque mortuaire. J'aimerais bien le mettre en place d'abord avant de sauvegarder. Ouais, je vais l'utiliser. Ah, je suis dans le danger quand même. Ah ouais, je me voyais pas autant dans le mal. En fait, le spray, j'aurais dû l'appliquer. Ok, waouh. Ah oui, elle a bien pris cher. Voilà, attends. Je vais poser le masque mortuaire et puis c'est le troisième sur 4. Au moins, ce sera fait et puis je pourrais sauvegarder derrière peinard. Donc, il faudra que je repasse par là où il y a les zombies, je crois. Non, je m'y attendais pas à ça. Ah, merde, homme. J'avais espoir qu'il soit à l'opposé. J'ai été naïf. Oh merde, elle est déjà dans le mal, évidemment. Eh oui, elle est déjà dans le mal, génial. Oh merde. Pam 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 pam. Allez, le cimetière de ces morts là. Je sais plus si je peux repasser par là, ça peut être pas mal. Ah oui, non, c'est le coup de la salle avec les corbeaux. Alors, je suis, comment dire, désorienté. Ah oui, c'est par là. Ouch. Alors, celui que j'ai, il ressemble à quoi? Enfin, non, examinez. Ah, c'est celui qui a pas de nœud. Celui qui n'a pas de nœud. Ah, bah, c'est celui-là. Ah, il reste plus qu'une chaîne, et après, c'est le boss. Il paraît que cette créature est immonde.
Il paraît. Quel est le point de sauvegarde le plus proche? Point d'interrogation. Le manoir de l'horreur. Bon, et ben ça craint. Merde. On va peut-être passer par ailleurs. Détour de ma boule. Là, normalement... Oh, on est déjà dans le mal. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Oui, alors là, dans le réservoir de kérosène, j'en ai plus, je crois. Que très peu de kérosène, mais votre gourde est déjà pleine. Ah, je pourrais quand même encore la recharger. Bon, bah ça m'étonne. Ça me surprend. Bocher, on va sauvegarder. Ouais. D'ailleurs, attends. Oui, attends voir. Est-ce que je peux pas, dans l'inventaire, dire que je prends qu'un seul ruban et pas l'ensemble, histoire que j'ai déjà la case de libre. Il n'y a pas un truc avec les gâchettes en disant je veux qu'un? Ou un truc dans le genre là?
plus comment ça marche. Merde. Ah, j'ai souvenir qu'on pouvait faire ça. Attends, il faut peut-être que je prenne tout bêtement, sans interaction avec le coffre, mais directement dans l'inventaire. Oui, non, d'accord, mais... Ah, je... Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je m'acharne pour pas grand-chose. Ah, je sais pas qui manque qui. Ah oui, je vois la diode de la disque dur de la PS3 qui s'agite. Salut. Bonjour Dragon Sky. La magie de Noël. Pop. Tic tic tic. Bonjour Dragon Sky. J'espère que tu vas bien. Le chapi, chapeau, chapeau. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Ah, mais il y avait des choses à faire dans cette pièce mystérieuse là. J'y étais pas retourné. Je serais peut-être bien de semer le zouk là-dedans. Moi. Ah, oh, cette musique. On dirait que quelqu'un a pris quelque chose avant de partir en hâte. Oui, non, il n'y a plus de plantes. Il n'y a rien dans les tiroirs ni sur les étagères. On a cambriolé ce lieu. Bref, j'ai plus rien à y faire, quoi. J'avais trouvé je sais plus quoi sur place et une plante. Cet aquarium a dû abriter des êtres vivants. Peut-être s'en servait-on pour lever des sortes de créatures. Oui, non, d'accord. Mallette ouverte, elle est pleine de rapports biologiques. Prendre le hameçon. Divers types de hameçon. Quoi bon crochet va-t-il me servir? Oui, des rapports biologiques, d'accord. Ah oui, il y a ce truc qui doit être une énigme. Prendre le leurre d'abeille. Spécimen d'insectes. Il y a un bouton dessus, appuyer. Mais oui, autant... Rien ne se passe. Oh merde alors. Ça a-t-il un rapport avec les spécimens d'insectes? Ah mais c'est possible. Non, je peux pas utiliser l'hameçon maintenant. Ceci est un hameçon. Ça s'examine le... l'insecte de mes deux. Il s'agit d'un leurre représentant une abeille. Il ne possède pas d'hameçon. Eh ben, on va les fusionner. Combiner. J'ai miné le leurre d'abeille. Il est beau.
Et si je le mets avec l'hameçon, il se passe un truc. Ah, ça va tirer le l'insecte. Non. Ah, j'ai pas le bon truc. Ah, il y en a plusieurs. Spécimen d'abeille. D'accord. Ce sont des hameçons de pêche. Ah, il faut sûrement les intervertir. Le récipient est rempli d'insectes morts. Génial. Alors attends, je vais reprendre celui-là et je vais intervertir leur position. Logique vidéoludique. Le problème c'est que... Attends, j'ai pas d'hameçon là, c'est pas cool. J'espère que j'ai pas besoin d'un deuxième hameçon. Rien ne se passe. Oh merde alors. Et là, si je mets celui-là... Je rappuie sur le bouton, il se passe quoi? Non. Bonjour, Ironster. Oh non. Symbole du vent. Oui, oui, oui. Dans le mal, hein, cette satanée abeille. Elle a envie de vomir, la pauvre. Comment ça, tu as Momoka? Tu retiens Momoka en otage? Mais c'est scandaleux pour Noël. Que signifie? Ah là 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 là. Je sais même plus où ça mène, ça. C'est une salle que j'avais pas faite, j'ai utilisé la clé armure. C'est ma merde alors. Ça débouche où? Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Bah c'est la pièce où j'étais, non? Ouais, tu m'étonnes que c'est là-bas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais, je peux y aller assez rapidement en passant par là-bas. Terrible. Attends, non, faut que je passe par le bas. Faut pas que je fonce vers le bas.
Aïe, 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 aïe. Sérum, ouais. Oh là là, oui, je suis dans la mise. Alors attends, herbe verte. Oui, ça je verrai ça plus tard. Herbe verte et herbe rouge. Oh, c'est l'heure de faire un peu de chimie. À la Resident Evil. Voilà, là je reviens à la normale. Oh, comment je vais gérer les deux zombies qui me les brisent là. Ça va être encore sport. On est là du de ce jeu. J'ai même pas de solution de repli. Bon, là au moins j'ai de la marge. Non! J'ai pas le temps de me retourner! Oh, j'ai demandé un demi-tour! Il me l'a refusé! Mais il est abusé, ce jeu! Je vais crever! Mais non! Oh non, le jeu est complètement abusé! Et puis recharge, parce que... Oui, non, c'est bien, t'es rechargé. Non, j'ai... Hey, vous avez vu le délai alors que je m'acharne à avoir accès à mon inventaire? Le jeu est complètement craqué. C'est injouable. Oh non mais... Faut que je me précipite. Où était l'autre malheureux? Le pauvre Richard.
Attends, c'était par là que j'étais passé, c'était par là, non? C'était où? Oui. J'ai ton sérum. Et là, il va mourir, mais... Ah, il est déjà mort. Bon, bah alors comme ça. Oui, tant qu'à faire. Le serpent, le serpent. Ah oui, le serpent est là-dedans, et là il y a quoi? Oh merde, il y a un zombie. Oh joli. De pistolet avec grand plaisir, vu le nombre de balles que je tire là. Il y a des verres. Le verre, et le verre, il tient de traviole là au bord de la table. C'est quoi ce délire? Il y a un truc, c'est Majax. Ah non, il est renversé sur la table. Ok, il s'apprête à tomber. Je me disais aussi. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Et ben allume la lumière. Le briquet, le briquet. Y a pas un chandelier? Là, c'est un chandelier. Allume le chandelier. Happy birthday to you. C'est trop drôle. Ah merde! Ah oui, je peux plus rien prendre. Ah, intéressant, des balles de fusil à pépins. Pourquoi il y a des casseroles au mur ici? C'est pas une cuisine. Bah, ce manoir est vraiment étrange. Ah! Au secours! Un pervers qui voulait lui faire un bisou. Oh là là, il y a des zombies partout. C'est pas comme si c'était le principe du jeu. C'est horrible. Elle est morue. Ah, je fais encore un essai, puis après je passe à un autre jeu. Peut-être Final Fantasy. Pourquoi pas. Quitte à revenir après 2-3 heures de Final Fantasy sur celui-là. Je sais pas, c'est roue libre. Hein. On est baba cool. Aïe, oui, doucement mon câble audio. Et là, je reprends au début. Salle à manger. Non. Mais si j'aime vraiment cette nouvelle version, peut-être que j'enchaînerai avec Chris, côté garçon en plus dur et un peu différent. Peut-être. On verra. N'oubliez pas que j'ai plein d'opus à faire et à découvrir intégralement avec vous. Les révélations, par exemple, je les connais pas. Et j'ai la chance de les avoir, je les ai jamais lancés. Par exemple, il y a d'autres Resident Evil, ou même que je ferais que je refasse le code Véronica, je m'en souviens plus. Mais voilà, ce sera pour plus tard. Alors, mon cerveau me dit de faire le tri dans l'inventaire. Elle est waouh à ce point-là? Ah, bah j'aurais plaisir à la découvrir. Parce que je sais que tu l'avais fait à une époque, j'avais fait ta modération, mais tu sais, j'avais fait en...
en essayant de ne pas regarder. Donc j'ai vu que des extraits et rien d'autre. Donc ça me parle pas. Je sais bien, je me garde le... La surprise. Alors moi j'ai sur PS3, tu vas me dire que tu l'as pas sur PS3 et qu'on peut pas le faire ensemble. Parce que je crois qu'il y a de la cop là-dedans, non? Hop là. Ah, c'est le second qui est en coopération. D'accord. Mais j'ai mon intégrale Resident Evil sur la 3, hein, la PS3. Hein. C'est... J'avais fait exprès justement, je voulais une PlayStation 3 spéciale Gran Turismo et Resident Evil. Et je suis ravi parce que je les ai eu à prix réduit. Je les ai eu à prix réduit, mais je suis pas allé acheter chez Monoprix. Je raconte n'importe quoi, parce que là maintenant je suis en joie. Sur Révélation 2, ce n'est qu'une coupe de canapé. Ah bah voilà qui est dit. Juste devant l'écran. Tu peux même pas faire une coop par réseau. J'ai tenté. Alors, attendez. Le leurre d'abeille. D'abeille d'abeille. Non. Mais du coup, l'hameçon, il est obligatoire dans cette histoire. Message de Funfan 1992. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en mode en ligne, il faut être à côté. Oui, voilà, oui, 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 canapé, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Voilà. Non. Là, moi, il y avait un hameçon. Non, il est où l'hameçon? Ah, il est là-bas. Il était là-bas, le hameçon. Hop là. Ce qui fait que je combine avec ça, je sais pas pourquoi. Et que je vais le mettre là. Voilà. Là, je peux appuyer sur le bouton et je me barre. Non, merde. Ah oh non. Il faut que je remette le... Non. Oh, mais non, j'appuie sur le bouton, je voulais pas... Du coup, je pouvais peut-être éviter l'abeille et je vais l'avoir dans la tronche. Allez, où est tout ça? Oui, la vilaine, elle m'a vu. Attends. Ah oui, elle fait pas du bien. Merde, j'ai pas du bon côté. Attends, la salle au bout, j'ai pas la clé. Oh, tu me mets dans le doute. C'est verrouillé. Ah oui, un casque. Mais ce sera plus tard la clé casque. Pour découvrir les dernières horreurs du manoir. Je parle presque à la façon de Fantomas.
Donc il y a le coup de Richard, le coup du sérum. Oui, je déposerai tout en même temps, tu me diras. Richard, t'as déjà vu Richard? On veut passer à autre chose, Richard. Tu peux crever, Richard. Ça part très très mal. C'est plus la magie de Noël. Oh non, puis il va y avoir les deux zombies de la Muerte là qui vont me les briser. Ouais, Richard Cœur de Lion, ouais. Richard Camembert, ouais, elle leur dure pas. Je suis fou, je passe par le haut, c'est parce que... Ah oui, il y a l'autre maboule. Il est où? Ah, il est là. Viens, le zombie maboule, viens. Cours-moi après. Tu m'attraperas pas. Quoi? Mais je croyais qu'il y avait plus de zombies. D'où il sort, lui? Mais non, mais quand il y en a plus, il y en a encore. Je vais perdre du temps pour sauver la peau à Richard, moi. Oh non. Ah merde, je crois qu'il allait tomber. Oh là là, ce jeu. Ce jeu de la Muerte. Ce jeu qui nous rend fous. Resident Evil. Va mourir! Tout feu, tout flamme! Bah. Quoi? Mais non! Mais ce jeu est abject! Ce jeu est abject! Vraiment! Ah! J'en ai bouffé, j'en ai marre. Attends, là je vais refaire une partie, mais je vais pas me faire avoir. Tiens, elle se défend encore. Allez, bouffe. Oh, cette mandale! Elle est morte avec une bonne droite de Fora. Qu'il est dur, il est. Ah oui, là, oui, rip. Ah oui, alors. Bon, là, j'ai envie de dire, ça compte pas, mais bon, bref. J'ai genre un. Bon. J'ai encore la volonté de gagner. Allongé. Gagnons. Ah. Alors, oui. Oh, il y a ce truc qui a la noix.
Encore que, je peux encore faire une variante avec le coup de la guêpe, là. Des insectes. J'ai pas essayé de mettre le... J'ai des choses à faire. L'autre, comment qu'il se défausse, Wazebot, dans le chat. Pardon, ça m'a fait rigoler. Je peux peut-être mettre le hameçon sur l'autre insecte, non? Nope. Essayons. Parce que je l'ai mis sur le jaune, mais si je le mets sur le marron, c'est parce quoi? Qu'est-ce qui CPS? Ouais. Les jolies leurres de pêche. Est-ce que je peux combiner les deux là? Ah non, je peux pas. Ah merde. Merde, merde, merde. Ah, du coup, je vais être coincé au niveau inventaire. Je peux rien poser, je crois. Merde. Ah, je vais être coincé pour les manipes. Eh oui, je peux plus porter d'objets. Non, 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 non. Bah, j'ai pas l'air con. Disons-le officiellement, il est pas l'air con. Merde. Est-ce que je peux remettre le hameçon à sa place? Non. Non, je peux pas. D'ailleurs, ça, j'en fais quoi? L'outil perd un temps d'ouvrir les serrures les plus simples. Ouais, bah oui. Y a rien d'autre? Mmh. Ouais, une odeur de pharmacie, ouais. Ouais, là, je la joue vachement mal. Encore la scène avec Richard. Non, mince. Je pensais passer la scène, mais elle n'a pas encore lieu. Voilà. Ah. Oui. Alors, gare. Ce couloir-là, ça craint.
Hey, j'ai tiré sans discontinuer, c'est fou. C'est fou. Le jeu qui se moque de moi. Il me dit je n'utilise pas ça maintenant. Là je commence à m'agacer. Vous voyez, je fais pas les bonnes options. Je fulmine intérieurement. Ah, lui je l'ai. Ah bah là, bah, elle est morte. Alors là, elle est morte. Mais allez tous vous faire en papaouter! C'est pas possible! Mais non! Bonjour, jolie lumière. Ouais, le costume de Noël. Et encore, il est en train de. Je suis en train de m'auto-décaper là. Je devrais être comme ça. On va faire du Final Fantasy pendant 2-3 heures et je reviendrai sur le Resident Evil après. Parce que en faire trop à la suite, c'est frustrant et on s'agace. Voilà, ça va me lancer. Le temps que le jeu se charge, ça va. Je vais changer de catégorie. Non, je fais le 13, moi. Pardon.